saluons toute l'Église ce soir avec beaucoup de joie au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse beaucoup. C'est encore une grâce pour nous d'être venus autour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons les remerciements. La sœur Rit Samba remercie Dieu pour sa protection dans son voyage qu'elle a effectué de Kolwezi à Lubumbashi. Que le nom de notre Dieu soit loué. La sœur Irène. Dada Irène. Le frère Enoch Kimbala, s'il vous plaît. Nduku Enoch Kimbala. Remercie grandement le Seigneur. Anashukuru sana Bwana. Pour l'avoir protégé en route. Kwa kuweza kumchunga njiani. De Kakanda à Lubumbashi. Kutoka Kakanda kufika pa Lubumbashi. Le frère Jacques Mwata remercie Dieu. Nduku Jacques Mwata anashukuru Bwana. Pour sa guérison après la prière des saints. Ce sont là les offres de l'Éternel. Nous avons aussi une requête. La sœur Marie-Louise sollicite la prière des saints. Dada Marie-Louise anahitaji maombi matakatifu. En faveur de son fils Ogi qui est malade. Kwa faida ya mtoto yake mwanaume mwenye Ogi mwenye kwa mgonjwa. Hospitalisé. Mwenye kwa hospitali. Ainsi bien aimé, tenez-nous debout. Hivyo wapenda tusimame bwima. Pour un moment de prière. Juu ya wakati kidogo ya maombi. Nous allons ouvrir nos bibles. Tutafungula mabiblia yetu. Dans Psaume chapitre 143. Muzaburi sura yake ya 100 na 10. Sita na tatu. Psaume 143. Zaburi 143. Nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 10e. Tutaanzia pa mstari yake ya kwanza kufika mstari yake ya 10. Éternel, écoute ma prière. Wa milele, sikia maombi yangu. Prête l'oreille à mes supplications. Na kwa msikilivu kuma kusigi yangu. Exauce-moi dans ta fidélité. Unijibuye muaminifu wako. Dans ta justice. Na muaki wako. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Usingie muhukumu na mtumishi wako. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Kwa sababu hakuna hata mtu moya mwenye kwa mwenye haki kumbele yako. L'ennemi poursuit mon âme. Adui eko nafuata nafsi yangu. L'ennemi c'est Satan. Adui ni shetani. Avec ses démons. Na wa demona baki. Il foule à terre ma vie. Na eko na kanyanga maisha yangu. Il me fait habiter dans les ténèbres. Na eko na nikarisha katika magiza. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Vile bale baso kufuaka tangia zamani. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Nafsi yangu, ro yangu inaugua ndani yangu. Mon cœur est troublé dans mon sein. Na ro yangu inavurukwa ndani yangu. Je me souviens des jours d'autrefois. Mina kumbuka masiku ya zamani. Je médite sur toutes tes œuvres. Na mina fikiri yulu ya matendo yako yote. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Na mina waza sana pa matendo ya mikono yako. J'étends mes mains vers toi. Na mina nyolosha mikono yangu kwako. Mon âme soupire après toi. Na nafsi yangu inakimbiriria kwako. Comme une terre desséchée. Sa vile bulongo mwenye kukauka. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Arikisha kunijibuya, ô wa milele. Mon esprit se consume. Ro yangu iko na lungula. Ne me cache pas ta face. Usinifiche uso wako. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Minta fanana na bale beko na shuka ndani ya shimo. Fais-moi de le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher.
car j'élève en toi mon âme. Kwa sababu mina kimbra kwako nafsi yangu. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Unikombe kwa wadui wangu, ô wa milele. Auprès de toi je cherche un refuge. Kwako mina tafuta kifichamio. Enseigne-moi à faire ta volonté. Unifundishe kufanya mapenzi yako. Car tu es mon Dieu. Kwa sababu uko Mungu wangu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Roho yako ya mzuri ipate kunyongoza mutia yako ya kunyoloka. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique avec la chorale. Dans l'esprit de méditation. Et nous allons nous abandonner à Dieu dans la prière. 179 Okov. Ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Ce soir nous nous inclinons devant ta face. Oh Dieu éternel, nous venons élever nos voix, nous venons élever nos mains, nous venons élever nos cœurs. Juste nous accueillir dans ta présence, Seigneur. Ce soir nous nous venons en famille, en soif, Seigneur. Non pas la soif, autre chose, mais la soif de ta volonté, Seigneur.
selon ta volonté. Manquez-nous le chemin que nous pouvons souffrir comme ton peuple Seigneur. Nous sommes notre point de ton patron par le chemin. C'est toi, la prière de Dieu. Tu nous as rachetés pour que nous puissions t'appartenir, Seigneur. Alors nous rendons ton nom au Dieu. À travers le sang de Jésus-Christ, accepte-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses, ô Dieu. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés sur la terre. L'ennemi sort avec ses démons. Oh Dieu, poursuive notre vie. Non seulement notre vie, cherche à détruire tous nos prêtres, Seigneur de moi. Nous abandonnons à toi, oh Dieu, toi qui es notre refuge, toi qui es notre forteresse, Seigneur Jésus. Qui peut celui qui se confie en toi, oh Dieu, il ne sera jamais confondu, Seigneur de moi. C'est pourquoi nous venons, oh Dieu, nous avons une affaire dans la prière. Avec confiance, le Seigneur, parce que le livre de bénédiction s'est consacré. Le sang qui puisse, oh Dieu, nous rétablir, nous restaurer, oh Dieu, nous restituer, Seigneur de grâce, on t'abonnasse, c'est quoi notre Dieu de lumière. Accepte, Seigneur, en ta présence, que te glorifie. Nous sommes venus fatigués, chargés. Nous voudrions qu'en son temps, Seigneur, nous puissions être déchargés et que nous puissions avoir du repos, Seigneur. Oui. Ta parole sera plus éduquée de cette chair, Seigneur. Nous demandons ton serviteur. Notre berger qui se tiendra ici pour nous parler de ta parole, Seigneur. Utilise-le puissamment pour l'édification de ton église. Oh Dieu, console nos cœurs, console nos âmes, Seigneur. Donne-nous du remède contre la détresse, Seigneur. Accueille-nous dans ta présence. Nous avons de l'inquiétude pour Dieu. On a écrit pour toi, Seigneur. Accepte de répondre. Nous avons aussi des besoins, Seigneur. Donne-nous selon les désirs de chacun, car nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Nous invitons notre bien-aimé Jacques Godens. Alika, Mupendo Aweto, Semasi Godens. Pour venir prier. Juu akuye aombeye. Miséricordieux Père Céleste. Warema babali jumbinguni. Nous venons encore ce soir dans ta présence. Tunakuja tena mangaribi ya leo mwepo wako. Répondre à la sainte convocation. Kuitika kumwito kamilifu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Urisema mkuje kwangu wewe mwebote wenye kulemewa na wenye kwa na mizigo. Je vous donnerai du repos. Mitempatia mapumziko. Nous venons auprès de toi en tant que des humains. Tunakuja kwako sawa bantu. Avec nos imperfections. Na ma sipukusi kutoku kamilifu kwetu. Nous t'avons offensé, Seigneur, en parole, en agissant. Turikukoseya mukutenda mukusema. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Atustahili kuitwa watoto yako. C'est pourquoi accepte de nous agréer, Seigneur. Jokwa mana ichika kutukubali Bwana. Accepte de nous laver. Ichika kutuoshwa. Accepte de nous purifier. Ichika kututakasa. Accepte de nous sanctifier. Ichika kututakasa damu yako. Rends-nous capables, Seigneur. Que nous puissions vivre pour toi. Et rien que pour toi. Dans les moments favorables ou pas. De manière à ce que tu en tires gloire dans notre vie. Dans nos pensées. Dans nos actions. En toutes choses, Seigneur. Que nous soyons de véritables témoins. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne comptons pas sur nos capacités. Nous comptons sur toi, Seigneur. Parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remettons nos requêtes. Tu es celui qui détient tout ce qu'il nous faut. Guéris les malades. Console les affligés. Exauce les nécessités. Pour ta gloire et pour notre joie. Nous te dédions ce qu'il te dit début jusqu'à la fin. Accepte de posséder ton serviteur. Accorde-lui tout ce qu'il faut, Seigneur. Pour notre délivrance. Pour notre guérison.
pour la réponse à toutes nos questions. Sois glorifié. Souviens-toi de nos frères qui sont en cours de route. Garde-les, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils arrivent. De manière à ce que nous soyons bénis ensemble. Béni, ô Père éternel, Israël, ton peuple. Béni, Franck, ton serviteur. Bénis tes vases qui seront derrière la chair pour parler à ton peuple. Garde-nous, Seigneur, dans ta parole. Garde-nous, Seigneur, dans la foi. Affermis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous puissions demeurer fermes, Seigneur, sans toutefois nous écarter. Ni à gauche, ni à droite. Mais que nous puissions tenir fermes jusqu'à ce que tu reviennes. Reçois cette prière parce que nous t'adressons avec foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, par l'autorité de ta parole, nous condamnons tout esprit de distraction. Nous condamnons tout esprit diabolique. Accepte au nom de Jésus-Christ que ton esprit puisse se mouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungui toi sifiwe. Nous allons adorer notre Seigneur. Tout à bout de bwana wetu. Par des cantiques. Kupitia mimbo. Et ensuite notre pasteur. Nakisha mchungaji wetu. Va monter pour nous apporter la parole de Dieu. Atapita njoo akutubiri neno la Mungu. Amen. Amen.
Thank you.
Nous saluons chaque frère, nous saluons chaque sœur avec joie dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila nduku, tunasalimia kila dada na furaha mujina damani ya Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nous nous mettons debout. Mshimame. Nous saluons également nos frères, nos sœurs. Tunalamukia tena banduku yetu na badada yetu. Nous suivent attentivement à travers l'internet. Bale bona tufuata na ungalifu wote kupitia njia ya internet. Nous les saluons aussi avec joie au nom de Jésus-Christ. Na bo tunalamukia na furaha mujina Bwana wetu Yesu Kristo. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Miripokea ma commentaires ya mingi. La prédication depuis qu'on a commencé à parler Tokia tulianza kubiri, sur la vérité qui vous affranchira, yulu ya tungo, ukweli ile tamiti ya uru, sur ta famille yulu ya tungo naita jama yako, et même sur la prédication qu'on a portée hier, qu'on continue. Ata maubiri ile turubiri jana ile tukunendelesha nayo. Il y a beaucoup de frères ukubanduku ba mingi qui m'ont fait beaucoup de commentaires sur ça. Bale warafama commentaires ya mingi yulu ya maubiri. On est vraiment suivi. Il y a aussi beaucoup qui ont écrit souhaitant quand on a publié pour la conférence d'Eva. Nakuba mingi bale bariwezi kufama commentaires yabo wakati baritangaza njuu ya conférence d'Eva. Il y a beaucoup de gens qui ont souhaité venir. Kubantu ba mingi wale baritaka kuya, baripenda bakuye. Voilà. On doit avoir les yeux pour voir. Tunapasha kwa na mancho njuu ya kuona. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. Nous lisons là on a lu hier verset 15 qui nous est important. Tutasoma pafuashi pale tulisoma jana mstari wa 15 ile kwa mafaju yetu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Taweka uadui katikati yako na mwanamke. Entre ta postérité et sa postérité. Katikati ya uzao yako na uzao yake. Celle-ci t'écrasera la tête. Hii uzao ya mwanamke takuponda kichwa. Et tu lui blesseras le talon. Na utamuumiza ukasingano. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusoma neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unawezi kuikala. Nous avions lu également dans dans Matthieu. Tulso matena mu Matayo. Apocalypse chapitre 12 d'abord. Kwanza Ufunuo sura ya 12. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura ya 12. Un grand signe parut dans le ciel. Alama kubwa ikonekana toka mbingu. Une femme. Mwanamke moya. Enveloppée. Mwenye kufunikwa. Du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mwanamke moya mwenye kufunikwa na jua. Na mwenzi kumikulu yake na taji ya nyota 12 kukichwa chake. Elle était enceinte, elle criait. Alikuwa na mimba na alikuwa analalamika. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Mwenye kwa mukazi na maumivu ya kuzala. Un autre signe parut encore dans le ciel. Alama ingine kaonekanika tena toka mbingu. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Na tazama ilikuwa joka kubwa mwekundu. Rouge feu. Alikuwa mwekundu sana. Ayant sept têtes et 10 cornes. Mwenye kwa na bichwa saba na pembe saba. Et sur sept têtes, sept diadèmes. Na yulu ya hii bichwa biyake, bichwa saba parikuya makofia saba. Sa queue entraînait
le tiers des étoiles du ciel et le jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les dragons et ses anges combattirent. Mika na ba malaika baki baka kombanisha ujoka na ujoka pia baka kombana nabo. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Appelé le diable. Et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit. C'est lui qui séduit. Il fut précipité. Aritupua, le grand dragon. Ujoka kubwa, le serpent ancien. Nyoka wa zamani, appelé le diable. Mwenye kuita diabolo, et Satan. Na shetani, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous pouvez continuer avec le reste. Ainsi nous parlons sur je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit hier, le premier évangile qui a été prêché, c'est ça. Je mettrai inimitié. C'est un évangile qui dénonçait déjà les conséquences du péché et condamna le péché. À travers cet évangile, Dieu a fait la promesse. La promesse d'un rédempteur malako ya mukombozi, compte tenu ufatana na, de ce qu'il y avait là ufatana na mambo leri kuyako, à cause du péché qui est entré. Kwa ajili ya zambi leri ingia, Dieu par rapport à ça, Mungu kulingana na ile zambi, amen. Amina. Je répète, inarudiriamu, cette écriture de Genèse 3 verset 15. Nous voyons déjà, à cause du péché qui est entré dans l'humanité, nous voyons déjà les conséquences du péché et la condamnation du péché. Et face à cela, Dieu avait déjà annoncé et il a fait la promesse d'un rédempteur. Ce rédempteur, c'est en rapport avec le péché et les conséquences du péché. Nous voyons aussi à travers cette écriture
que quand le péché est entré dans le monde, amenant la chute de l'homme, amenant les conséquences du péché, l'homme et la femme qui étaient en bonne relation avec Dieu, par le péché, il y a eu séparation. Amen. Amen. Il y a eu séparation. Ainsi, Ivi, quand vous prenez par exemple Louis II, wakati mnaweza kugeuza kwa Louis II, Louis II, tel qu'on vient de le lire, il parle entre ta postérité et sa postérité. Mais quand vous prenez Darby, lui parle de entre ta sémence, entre ta sémence, toi le diable, toi serpent, entre ta sémence et la sémence de la femme. Quand vous prenez la version français courant, ce sont les versions des Bibles. Et parfois, quand nous méditons, sur la parole de Dieu, nous cherchons à comprendre avec l'aide de Dieu ce qui est transmis. Quand vous prenez français courant, sur cette écriture, lui, il dit, entre sa descendance kachikachi ya uzao yake et la tienne na yako. Donc Louis II lui dit ta postérité et sa postérité. Yana sema uzao yako na uzao yake. Donc il y a le serpent, ni kusema kuku nyoka, il y a la femme. Na kuku mwanamuke. Comme le péché est entré, savi le zambi ringia. Dieu dit, je mettrai inimitié. Mungu alisema nitaweka uadui. Entre. Katikati ya. Toi. Katikati yako weye. Toi qui. We nani. Dieu ne s'était pas d'abord adressé à l'homme. Mungu ashikusemezane kwanza na mwanaume. Cette écriture ne s'adresse pas à l'homme. Cette écriture ne s'adresse pas à la femme. Cette écriture s'adresse au serpent. Est-ce que vous comprenez? Cette écriture s'adresse au serpent. Dieu s'adresse au serpent. Il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi, toi serpent, et la femme. Je mettrai inimitié entre toi serpent, toi serpent, et la femme. Je mettrai inimitié entre ta postérité, toi serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité, de toi serpent et la postérité de la femme. Est-ce que vous comprenez? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi serpent, tu lui blesseras le talon. Depuis ce jour-là, le diable s'est mis en guerre. Et cette guerre, ce combat, ça
ça existe même maintenant. Si tu étais dit chrétien, si tu t'es dit croyant, il n'y a pas une seconde où tu n'as pas de combat. Donc chaque seconde de ta vie, c'est une seconde de combat contre pratiquement le serpent. Amen. Amina. Pour bien comprendre postérité, c'est pourquoi j'ai essayé de consulter les différentes versions. Donc Louis II parle de ta postérité et sa postérité. Louis II na semeya uzao yako na uzao yake. Darby parle de ta semence et sa semence. Darby anasema mbeko yake na mbeko yako. Ta semence, toi serpent. Mbeko yako we nyoka. Donc, quand je dis ta semence, la semence du serpent. Wakati mnasema mbeko yako ni mbeko ya nyoka. Amen. Ta semence. Mbeko yako nyoka. Il faut ajouter les serpents pour que tu comprennes bien. Amen. Donc, Darby lui parle de ta semence et sa semence. Darby anasema mbeko yako nyoka na mbeko yake. Mbeko ya mwanamke. Mbeko ya mwanamke. Mbeko ya nyoka. La semence du serpent. Na mbeko ya mwanamke. Et la semence de la femme. Donc mwanamke eko na semence. Ça veut dire que la femme a sa semence. Et le serpent aussi a sa semence. Nyoka na yeko na mbeko yake. Et c'est pourquoi le prophète pouvait prêcher un sermon intitulé la semence du serpent. Beko ya nyoka. Le serpent nyoka qui a séduit Ève, ula ritongoza Eva, c'est pas avec la pomme. Aina na pomme au embe. Dans le mot séduction, musemo kuto utongozi, il y a un problème spirituel. Mambo ya kiro. Il y a aussi un problème du sexe. Namuku mambo ya utupu. Il y a un problème des yeux. Mambo ya mancho. Il y a un problème spirituel. Mambo ya kiro. Il y a un problème du corps. Mambo ya mwili. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa. C'est quoi nous disons que la convoitise de la chair. Kama ya mwili. La convoitise des yeux. Kama ya mancho. L'orgueil de la vie. Kiburi kya maisha. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Vitoke kwa Mungu. Ça vient du diable. Vitoke kwa shetani. On verra un peu si le Seigneur le permet. Comment maintenant le diable aujourd'hui, parce que nous venons de lire dans Apocalypse, Satan, le serpent ancien, qui séduit. Shetani ule nyoka wa zamani, ule ritongoza. Qui séduit. Ule unatongoza. Ule unatongoza. Na leo, même aujourd'hui, et qu'on endelea na kutongoza, il continue à séduire. Na ba Christo wa mingi, beaucoup de chrétiens, beko de gens séduits, basha kutongozewa. Beaucoup de gens qui chantent, antu ba mingi wa leo na imba. Maranata, Maranata. Beaucoup de gens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Christ. Beaucoup de ces gens-là, antu ba mingi bale, sont des gens séduits. Ba mingi basha kutongoza. Français courant. Français courant parle de sa descendance. Yana semeya uzao yake nyoka et la tienne, la uzao ya mwanamke. Et quand vous prenez la nouvelle Jérusalem, il est matafsiri ya nouvelle Jérusalem. Là, il est parlé de muleba na semeya moi entre ton lignage, katikati ya damu yako au kizazi kiako, entre ton lignage, katikati ya kizazi kiako et le sien, na yake moya mwanamke. Entre ton lignage, katikati ya kizazi kya wenyoka et le sien, na kizazi kya mwanamke. Donc nous voyons, il y a une guerre là-bas, il y a un combat, et on doit être conscient que ce combat, c'est un combat permanent. Et pour bien voir maintenant ce combat, nous voyons Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn et Abel. De tout le temps, mwanyakati yote, il n'y avait pas de problème. Akukweke mambo. Mais quand ils sont arrivés au stade d'adoration, asa mwakati walifika mkimu wa kwanza kuabudu, mabudu,
au stade d'adoration, normalement le seul qu'on doit adorer, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est sujet de toute adoration. Mais le diable, qui était Lucifer, l'ange qui brille, lui brille. Mais Dieu lui ne brille pas. Dieu lui, il est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable lui brille. Mais maintenant, comme il brille, il pensait qu'il est égal à Dieu. Alors que Dieu lui ne brille pas. Dieu lui, il est la lumière. Mais le diable, Lucifer, l'ange de lumière, l'ange qui brille. Alors il a regardé. Il voulait se faire égal à Dieu. Se faire égal à Dieu, c'est avoir des sujets aussi qui doivent l'adorer. Comme il y a des anges qui adorent Dieu, il faudrait qu'il y ait aussi des anges qui doivent m'adorer. Cette guerre a commencé aussi. Amen. Cette guerre a commencé. Et le diable, avec le un tiers des anges qu'il avait séduit, parce qu'il les a séduits au ciel à travers sa façon de briller. Il brillait tellement. Il est en train de briller, de rayonner. Il brillait. Il rayonnait aussi. Et sa manière là de briller. Et sa lumière là, son rayonnement. Il a séduit un tiers des anges. Et ils furent précipités sur la terre. Et sur la terre, il y avait Adam et Ève. Par quoi Adam na Hawa? Que Dieu a créé pour lui. Amen. Amen. Et quand il est descendu, comme il voulait être adoré, il devrait pratiquement chercher comment entrer dans la race humaine afin d'avoir aussi des enfants qui doivent aussi l'adorer. Amen. Amen. Et la Bible dit. La Bible dit. Parce que quand vous prenez Genèse. Quand vous prenez par exemple Genèse chapitre 2. Je peux y aller comme ça. Genèse chapitre 2. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Là, c'était la première alliance. L'alliance que Dieu avait conclue avec l'homme. Une alliance qui règle la vie de l'homme. Une alliance qui règle la vie de l'homme. Dans son état d'innocence. Dans son état d'innocence. Bon, il ne connaît pas qu'est-ce que le péché. Bon. Il était dans un état d'innocence. Il ne connaissait pas le bien. Il ne connaissait pas le mal. Il ne connaissait pas le bien. Il ne connaissait pas le mal. Lui, il était là. C'est juste pour adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, la vie était
Donc dans le jardin d'Eden, tout était en harmonie. Tout était en harmonie. Et Dieu créa. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme. Et il vivait sur la terre. Ils appellent les lions. Simba. Viens. Uya. Les lions viennent. Simba na kuya. Tourne un peu ici. Zunguluka ko kwanza hapa. Les lions tournent. Simba na zunguluka. C'était beau. Ilikuwa mzuri sana ya kupendeza. Il pouvait dire au lion, arose konesha simba, va appeler la chèvre. Wendo kaite mbuzi. Et le lion peut aller. Na simba nawezi kwenda. Notre Dieu t'appelle. Mungu wetu anakuita. Et la chèvre avec les lions. Na ule mbuzi dike anakuya. Il pouvait dire au moustique, venez. Chantez un peu. Chantez un peu. Le moustique commence à chanter. Oh, 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 oh. Ok. Muzuri. Donc il n'y avait pas de mal. C'était la première alliance. Et le diable na shetani diabolo, qui a été chassé du ciel, il est descendu là-bas. Akashuka mule. Mes frères et sœurs, bandugu na badada, le serpent, nyoka, le serpent, nyoka, à la création, maumbile, le serpent n'était pas mauvais. Nyoka shukwake mubaya, shukwake kiumbe kibaya. C'était une bonne créature. Nyoka kwa ni kiumbe kizuri. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, de tous les animaux du champ, mubanyama bote bapori. Amen. Amina. De tous les animaux du champ, mubanyama bote bapori, le serpent, nyoka, était le plus rusé. Alikuwa mujanja sana. Donc le diable a regardé. Amen. Amina. Tu as un caractéristique. Ukuna tabia mafulani. Tu as un caractéristique. Ukuna tabia mafulani. Qui permet parfois le diable d'agir là-dedans. Shetana tende mule ndani. Et quand quelqu'un réellement se connaît, na wakati mtu anajitambua hakika, en tant que de chrétien, Christo, la parole de Dieu ya Mungu, nous aide à nous connaître. Yuna tusaidia tujijue. Et quand je me découvre, na wakati mnajivumbula, face à la parole de Dieu, kulingana neno ya je Mungu, commence à veiller sur moi-même. Ninaanza kukesha yulu yangu mimi mwenyewe. Amen. Amina. Je commence à veiller. Ninaanza kukesha. Le serpent, nyoka, de tous les animaux du champ, bote bashamba, il était le plus rusé. Alikuwa mujanja sana. Donc le diable regarde. Nikusema shetani nangaria. Parce que c'est un esprit. Ju ni niro. C'est un esprit. Niro. Anangaria. Il regarde. Qui est-ce que je peux utiliser? Inani ule mnaweza kutumikisha. En qui est-ce que je peux entrer? Dani ya nani ule unaweza kuingia? Pour que j'accomplisse mes desseins. Juni timize matengeneza wa mapo yangu. De tous les animaux, il regarde. Toka banyama bota nangaria. Il trouve que anona ya kusema, le serpent est plus proche de l'homme. Nyoka iko karibu sana na mtu. Le serpent ancien marchait. Nyoka wa zamani alikuwa anatembea. Il parlait. Le serpent que vous voyez, rampant, c'est le fruit de la malédiction. Il ni maripo ya laana. Il marchait. Il parlait. Mais il était le plus rusé. C'est mieux, ma soeur, que tu sois qualifié de tous les mots possibles. C'est mon frère qu'on te qualifie de tous les mots possibles. Mais ne sois pas rusé. Ne sois pas rusé. Si aujourd'hui ujumbe inalabika, le message est corrompu, et que nous n'avons plus l'impact du message, la fraternité n'existe presque pas, l'amour fraternel est en voie de disparition, c'est à cause du ruse.
Dans les rues, c'est là qu'il y a l'iniquité. Donc quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire. Mais il fait autre chose. Est-ce que vous comprenez? Comme l'iniquité de plusieurs. Comme l'iniquité va s'accroître. L'amour de plusieurs se refroidira. Dans le message aujourd'hui, nous avons beaucoup de sœurs rusées. Nous avons beaucoup de frères rusés. Nous contentons seulement de dire bonjour frère. Mais regardez, est-ce qu'il y a la fraternité sincère? Nous combattons les uns les autres. Nous détruisons nous-mêmes. Nous mordons nous-mêmes. C'est ça l'état aujourd'hui de l'église. Et vous allez voir là où les gens s'aimaient. La communion n'existe presque pas. Tout qu'on a forcé. Nous sommes en train de forcer tout nakazi chabintu. Sœur, Dada, au lieu que vous soyez ensemble, n'est-ce pas que vous vous évitez? N'est-ce pas que vous vous évitez? Parfois tu évites aller chez tel. Tu te dis que j'évite des problèmes. Aujourd'hui, Léo, tu peux dire que je ne veux pas prendre des frères, travailler avec des frères. J'évite des problèmes. C'est l'état dans lequel nous nous trouvons. Quand on travaille entre nous, on semble avoir beaucoup de problèmes. Mais où est l'impact de la vérité? En quoi est-ce que vous allez dire que vous êtes sage? En quoi est-ce que vous allez dire que vous avez reçu la parole de la vérité? Le début du message, ce n'était pas ainsi. Vous allez voir le frère, ils peuvent se mettre ensemble. Celui-ci donne $500. L'autre donne $500. Ils se disent, frère, faisons une activité d'ensemble. Ils vont travailler. Et vous allez voir, pour finir, chaque frère aura son grand, un grand magasin. Mais aujourd'hui, quand les frères se mettent ensemble, pour travailler, ils terminent leurs problèmes au parquet. C'est compliqué. Ils terminent leurs problèmes au parquet. Tu fais arrêter ton frère. Il a volé. Mais comment est-ce que le frère aussi peut voler son frère? C'est là qu'il faut se poser la question. Donc, et toi, tu fais arrêter ton frère. Tu es condamné. Et toi, qui a volé pour qu'on puisse t'arrêter. Tu es condamné. Mais où est la fraternité? Et aujourd'hui, les païens s'étonnent. Bon, on en parle, c'est l'esprit qui nous pousse à parler. Il y a un frère qui travaillait, c'est un problème récent ici. Si le frère est là, bon, nous en parlons parce que ni mambo ya Mungu. Comme on a chérie Kajiyako. Si tu t'irrites, ton affaire. Il y a un frère qui travaille avec un frère. C'est récent. Le frère a perdu l'argent. On a porté sa fesse. On lui pose la question, l'argent est où, tout ma ça mouliza. Et l'autre frère qui lui a donné ce travail là-bas, ils se décident ensemble. Non, il faut le faire arrêter. S'il faut appeler la police, appelez la police. Et lui appelle le parquet. Et un magistrat qui lui dit,
comme c'est ainsi, il faut arrêter et le garçon là-bas et son papa. Il n'a pas chaque bamba le qui jana mwana ome na baba yake mwenyewe. Baba yake frère. Son père ni nduku. Mutoto frère. Le fils aussi nduku. Ule mwenye nduku frère. Mais l'autre aussi c'est encore nduku. Unasema frère, sœur. Vous appelez frère, sœur. C'est les blagues. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a même quelqu'un d'un autre tabernacle, il a dit cette façon dont vous agissez. Non. Même si je devais venir chez vous, je ne viendrai pas. L'église a été méprisée. Alors que sur cette terre, s'il y a une institution qui est au-dessus de toute institution, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais vous dites de l'église, vous méprisez votre église. Si Dieu aussi vous méprise, ne vous étonnez pas. On va en parler. Ainsi, mes frères et sœurs, le serpent était le plus rusé. Dans les ruses, il y a l'iniquité là-dedans. Dans les ruses, il y a la flatterie. Donc, à travers ce caractéristique, le serpent qui est esprit, le diable qui est esprit, à cet esprit est lié toutes les malédictions. Donc, c'est-à-dire, auprès du diable, il n'existe pas la bénédiction. Auprès du diable, il n'existe pas la vie. La vie, c'est auprès de Dieu. La bénédiction, c'est auprès de Dieu. Mais la malédiction n'est pas liée à Dieu. La malédiction est liée au diable. La mort n'est pas liée à Dieu. La mort est liée au diable. Amen. Amina. Ainsi quand vous essayez de voir, même dans la vie individuelle, de ceux qui se disent croyants, cette guerre existe. Il y a le combat. Je dois me vaincre moi-même. Je dois vaincre le monde. Et Dieu m'a donné pratiquement ce qu'il me faut pour que je puisse vaincre. Afin que ce jour-là, que je sois couronné aussi. Amen. Amina. Oui. Dio. Mais maintenant, quand vous prenez le Genèse chapitre 3 verset 15. Asa wakati munasoma mwanzo sura yake ya 3 mstari 15. Là, c'est maintenant l'alliance de Dieu. Hapa inakuwa sasa agano ya Mungu avec Adam déchu. Na Adam mwenye kuanguka. Et dans cette alliance, cette alliance définit les conditions de vie de l'homme pécheur. Et donne la promesse d'un rédempteur. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu enfanteras avec douleur. Nous sommes dans cette alliance. Et cette alliance définie. C'est une alliance avec Adam déchu.
Et cette alliance, dans cette alliance, on définit les conditions pratiquement de l'homme pécheur. La vie, que l'homme pécheur va commencer à vivre. Si vous comprenez ça, vous comprendrez aussi l'alliance de Golgotha. Vous êtes là? Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quelle est cette femme-là qui n'enfante pas avec douleur? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces. Tu mangeras de l'herbe de champ. Utakura majani ya shamba ya pori. Unakula kansombe wewe. Tu manges le fait de manioc toi n'est-ce pas? Unakula katete wewe. Tu consommes le katete toi. Unakula ngai. Tu manges l'oseille n'est-ce pas? Unakula biboabo. Tu manges le fait de gourge n'est-ce pas? Donc nous sommes dans une alliance. Comme wagano. Une alliance avec l'homme déchu. Mwagano le na muntu la rianguka. Et cette alliance définit les conditions de la vie de l'homme. Jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Quel est cet homme-là qui va dire je ne mourrai pas? Mais les jamais. Donc nous voyons l'accomplissement de ça. Nous voyons l'accomplissement de ça. L'homme vit avec les conséquences du péché. Mais Satan. Amen. Amina. Il a été maudit. Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit le serpent. Parce que la Bible dit, au verset 14, Genèse 3, l'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux. De tous les animaux qui existent, l'animal qui est maudit, c'est le serpent. Maintenant, cette malédiction-là, mes frères et sœurs, ce sont des malédictions qui ont de l'impact sur toute la race humaine. Aussi longtemps, la race humaine demeure dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je répète. Est-ce que la femme était maudite? La femme Mwanamuke, l'homme Mwanaume, même la créature ata maumbile, vit les conséquences du péché. Naishi, ni ile matokeo ya zambi. L'homme meurt. Kufwa, la femme meurt. Mwanamuke na kufwa, l'homme et la femme enfantent avec douleur. Mwanamuke na zala na maumivu, l'homme pour manger il doit suer. Ya kula, anapasha kutosha yasho. Mais dans la première alliance ce n'était pas ainsi. Lakini mwagano ya kwanza, mambo ya kukuyake hivi.
Dans la première alliance, ce n'était pas ainsi. Mais dans la deuxième alliance, que nous voyons dans Genèse chapitre 3 et Genèse 3 verset 15, les conditions de la vie de l'homme pécheur sont définies. Celui qui est maudit, c'est le serpent. Mais maintenant, cette malédiction atteint l'homme, il a fiki ya muntu mwanaume, aussi longtemps l'homme demeure dans le péché. Wakati yote muntu anakankamana na dumu muzambi. Donc, si l'homme ne demeure pas dans le péché, il y a la possibilité d'être soustrait à cette malédiction. Atosho mwilana. C'est pourquoi mes frères et sœurs, sous le sang de Jésus-Christ, il y a la repentance, il y a la confession, il y a la réparation. C'est pratiquement quelque chose qui nous permet de briser le lien qui peut me lier pour que je puisse subir la malédiction. Donc la repentance me dégage, de tout lien de malédiction. Et la crainte de Dieu m'aide à maintenir ma relation avec mon Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et celui qui est sage, il va découvrir les ruses du diable. Un homme sage, il découvre les ruses du diable. Et comme je découvre les ruses du diable par sagesse qui vient de la crainte de Dieu, vous allez voir, je ne vais pas donner l'occasion au diable. Mais si j'arrive à lui donner l'occasion, je ne vais pas. Je veux tellement me repentir sur cet état-là. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques. Pas catholiques. Qui pratiquement il faut aller voir le prêtre. Bale ne balomba bende bakaone ba padri. Apana. Moi-même. Ni mwenyewe. Avec mon Dieu. Na Mungu wangu. J'arrange. Natengeneza. Seigneur. Bwana. Pourquoi je dois continuer comme ça? Nini minapasha kuendelea hivi? Sous le sang de Jésus-Christ. Chini ya damu ya Yesu Kristo. Je viens auprès de toi. Nakuja kwako. Les écritures que je connais, je commence à lui rappeler ça. Maandiko yale minajua, minaanza kumkumbusha yo Mungu. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Au milieu de nous. Katikati yetu. Dans le cercle de ceux qui se disent là ayant la vérité. Katikati abale bona bena jitaya kusambe kona ukweli. C'est toujours des sentiments hostiles les uns à l'égard des autres. Ipaka mania ya uadui wa moja kuhusu wengine. On se supporte un peu difficilement. Tukuna jivumilia na matatizo ya mingi. Et quand nous sommes dans cet état là. Na wakati tuku mwile ali ya vile. Sachez que vous ne donnez pas l'opportunité à Dieu d'agir. Ya kusema umpacheko Mungu bati ya kutenda. Là, vous donnez toujours l'opportunité au diable. Pale muna pachapaka bati shetani apate kutenda. Quand vous maintenez les conflits entre vous en tant que des frères. Wakati Mungu nalinda ile makokotano katikati yenu mwesa banduku. Vous maintenez des conflits en tant que des sœurs. Unachunga makokotano sawa badada. Oui, vous allez dire, bon, nous sommes vraiment l'église, la véritable. Nous sommes ceci, cela, ainsi de suite. Mais vous allez dire, bon, nous sommes vraiment l'église, la véritable. Ce qui a donné la force au commencement de ce message, c'était la crainte de Dieu. Par crainte de Dieu, je ne peux pas tromper mon frère. Par crainte de Dieu, je ne peux pas voler mon frère.
Par crainte de Dieu, je ne peux pas parler en mal contre ma sœur. Par crainte de Dieu, je ne peux pas me mettre là pour vouloir écouter le mal de ma sœur. Et cet état-là faisait en sorte que les malades pouvaient venir sans qu'on leur impose les mains. Ils entraient malades, ils sortaient guéris. Ceux qui avaient des problèmes, ils entrent avec les problèmes, ils sortent avec les solutions. Mais aujourd'hui, ruse, amen. Amina. Je vous pose la question. Namiuliza kwa swali. La malédiction c'est quoi? Laana ni nini? Qui a été maudit? Nani yule barlani? Est-ce que l'homme était maudit? Eti muntu barmulani? Est-ce que la femme était maudit? Je mwanamke barmulani? L'homme est tombé dans le péché. Mwanaume aranka muzambi. La femme dans le péché. Mwanamke naye muzambi. Cet état. Ile ali ile ya kuanguka muzambi. Fait pratiquement en sorte que inafanya namna ya kusema il puisse vivre la malédiction. Parce que le péché ne vient pas de Dieu. Ile ali le ya péché vient du diable. Ile ali ya zambi ilifanya kusema huyo mtu aishi mulaana. Juu zambi haitokee kwa Mungu, inatokea ni kwa shetani. Et le diable, suivez bien. Na mufate mzuri shetani. Pour travailler. Juu ya atumike. Il a parfois besoin de un canal par lequel il peut travailler. Il wakati ingine, eko lazima na njia moya mula anawezi kuingilia atumike. Pour atteindre son objectif. Juu apate kifukuzio yake. Pour atteindre son objectif, il a utilisé le serpent. Le serpent, c'était le canal par lequel Satan est entré pour faire tomber l'humanité. Quand toi aussi tu donnes l'opportunité, donc ça peut être un canal par lequel le diable entre et il agit. Parce que mes frères et sœurs, on est comme dans une routine. Tukusamu mambo ya kila siku au zoezi ubisela. Et nous ne cherchons pas vraiment à saisir parfois le sens de ce que Dieu est en train de dire. Na wakati gina tutafute maana ya kile Mungu anatafuta kusema. Attendez. Muchunge. Je vais prendre juste peut-être une écriture. Tabeba ko tusa zingine andiko moya. La Bible dit ceci par exemple. Biblia nasema hivi kwa mfano. Si nous prenons Ephésiens. Kama tunasoma mwa Efeso. Ephésiens chapitre 5. Wa Efeso sura ya 5. Verset 3. Mustari yake ya 3. La Bible dit. Biblia nasema. Que la débauche. Busharati. Ni aucune impureté. Hata buchafu mmoja. Ni la ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on entende qu'on entende ni parole grossière ni propos insensé, ni équivoque, choses qui sont contraires à la bienséance bintu
vizuri. Qu'on entende plutôt. Tushikie tena, tushikie. Tushikie. Qu'on entende plutôt. Tushikie. D'action de grâce. Nema. Car. Kwani. Sachez-le bien. Mwijue mzuri. Aucun débauché. Akuna musharata tamoja. Aucun impie. Muntu mchafu tamoja. Aucun cupide. Hata muntu atamaya feza. C'est-à-dire idolâtre. Nikusema kuabudu sanamu. N'a d'héritage. Ah, voice kuriti. Le royaume de Christ. Ufalme wa Kristo. Et le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Que personne. Kushukua muntu. Ne vous séduise. Akumitongoza. Par de vains discours. Kupitia tu misemo ya ovyo. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ce ne sont pas des slogans. Donc, si au milieu de nous, amen. Amen. Si au milieu de nous, il y a la débauche, il y a la cupidité, il y a les impuretés, des frères, des sœurs, qui pratiquement quand ils parlent, c'est toujours des propos insensés. Des propos, des paroles grossières. Équivoques. Donc, quand on est dans cet état, et on se maintient dans cet état, nous donnons l'opportunité. La cupidité que tu as, c'est pratiquement un canard par lequel le diable va entrer et il va commencer maintenant à t'utiliser. Amen. Moi, c'est de la manière que je parle souvent. Moi, j'ai toujours parlé ainsi. C'est ça mon caractère à moi. Si tu restes ainsi, toi qui connais la vérité, cet état-là, c'est un canal. Ninjia ni mulango lo nafungula. Munaelewa? Avez-vous compris? Le serpent, Nyoka, au début, kumuanzo, il n'était pas mauvais. À cause de la ruse, wa ajili ya bujanja, le diable l'a utilisé comme canal. Shetani mtumikisha sa njia, pour atteindre son objectif. Juu apate kifukuzio yake. Et par rapport à nous, na kulingana na shii, le diable veut nous détacher. Shetani anapenda kututosha, kututenganisha. Nous détacher, nous séparer de Dieu. Kututenganisha na Mungu. Le diable, Shetani, ne veut pas que tu prospères. Ashipende wendele. Ne veut pas que tu réussisses. Ashipende upate kuweza. Il veut que tu puisses toujours continuer à pleurer. Yako napenda wendele paka na kirio kila wakati. Le diable ne veut pas que tu sois guéri. Shetani ashipende utunziwe. Il ne veut pas. Ashipende. Toi tu vas commencer à dire, tu pleures, tu cherches la guérison. Ne pense pas que le diable pour toi aimera que tu sois guéri. Lui il n'aimera pas que tu sois guéri. Quand tu comptes, tu vends. Tu es dans ton alimentation. Tu fais des calculs. Ah. Mungu anisaidie leo. Dieu m'a tellement assisté aujourd'hui. Mais na ujisha 750 000 francs. J'ai vendu 750 000 francs. Mungu asifiwe. Ouais, pas le repas. Quand toi tu dis, tu es joyeux là-bas. Lui il est là. Il est copain de mon yakushirika. Ashoshirika. Tu vas voir. Utona. Avec ton argent là. Na ile makuta yako ile. En tout cas, Léo, vraiment, Mungu. Vraiment, aujourd'hui, Dieu. Le diable, lui aussi. Shetani na ye, il te suit. Na ye, on a kufuata.
Qu'est-ce que je veux faire pour qu'il ne puisse pas gagner? Le diable rôde autour de vous. C'est une écriture que vous devez utiliser en tout. Tu regardes ton enfant dans la ville. Vraiment. Dieu m'a fait grâce, vraiment. Cet enfant était tellement maigre. Mais Léo, vraiment, en anéné pas encore. Aujourd'hui, là, l'enfant essayait de grassir. Il ne mangeait pas. Ah, puis ça s'arrange à courir. Maintenant, il commence à manger. Ah, mon Dieu. Que ça ne s'arrête pas seulement là. Puis je ne peux pas parler. Dieu, mon Dieu, merci. Le diable, lui, il est là, il regarde. Je t'en ai pas parlé, on en garichisha. Ah, je vais l'en assez, Étienne. Étienne. Si vous n'êtes pas conscient de ça, quand on a tout parfois. Je ne dis pas que c'est ce que tu fais. Tu vas voir que ça zingine. Dieu t'a déjà aidé. En beaucoup de choses. Je parle. Je donne juste des exemples comme toi, n'importe qui. Même comme moi. Tu vas voir que si on est distrait, on a déjà tout maquillé dans la Bible. Tu commences seulement les querelles avec ta femme. Ou soit comme la Bible est distraite. Soit si la femme est distraite, on a déjà tout maquillé dans la boîte. Elle crée les querelles avec ta femme. Maquillé, des troubles, des troubles, des querelles, des bruits. Joe, peut-être tu as maquillé, allez, on a toqué. Comme la Bible, comme la Bible. À cause des troubles, querelles, si c'est la femme ou c'est le mari, je ne sais pas. Tu dors au salon. On a là la tout au salon. Où il y a comme chambre, mon salon. L'autre dort dans la chambre, l'autre dort au salon. Mon alamouka msubuhi. Vous réveillez le matin. Mon apitana. Vous passez sans vous dire bonjour. Moi, voilà mon apitana. Vous passez là sans vous saluer. C'est là que toi aussi. Au lieu de donner l'argent des rations, tu déposes sur la table. Et tu pars. Et puis tu arrives là où tu es parti là-bas. Gloria. Gloria. Est-ce que ta maman a pris l'argent que j'ai laissé sur la table là-bas? Peut-être l'enfant aussi répond, je ne sais pas. Va d'abord vérifier sur la table là-bas. J'ai laissé 5000 francs là-bas. Allez, bébé, les 5000 francs. Prends ces 5000 francs là. Si c'est 5000 là, donne ça à ta maman. Qu'elle achète la nourriture. L'enfant aussi s'en va. Regarde, c'est vrai, il y a 5000 francs ici. Il récupère ça. Maman. Maman. Papa, c'est ma ouza bien courir. Papa a dit achète la nourriture. Yenaye. Lui aussi, il jette ça. Elle aussi jette ça. Bon, Dieu, on vit le tout que ici. C'est de la manière que nous vivons. C'est ça notre vie, c'est la manière que nous vivons. Maintenant, quand vous agissez comme ça, tu es là en train de frotter les mains. Chétan, il dit, le diable, c'est une attitude là dans tout ça. C'est là que tu verras que peut-être le diable entre par là. L'enfant qui n'avait pas la fièvre. On essaie de tester comme ça. Fièvre 45. La fièvre 5 degrés. Deux minutes, tout, deux minutes. Après deux minutes seulement. Elle a l'anémie. Et tu vas voir. Nakisha tona. Pengine mama iko na hangaika. Ça signe la maman, c'est la casse. Ah, en train de se tourmenter là de gauche à droite. C'est marche. Ah, diacre. Mutoto. L'enfant. Peut-être l'ancien prend le téléphone. Il appelle le frère, son mari. Il sait pas qu'on y a tout ça.
Apparemment, l'enfant à la maison, c'est l'hyperthermie. C'est de la même façon qu'ils ont toujours fait. C'est comme ça que ça, ces histoires existent. Vous voyez? Si Dieu n'intervient pas, comment mon gars ça dit? L'enfant peut mourir, peut succomber. Je ne veux pas ça comme. Tu si allais prendre ça, non? Bon, vous voyez? Mounona. Bon. Mais tout le monde qui vous accepte comme Christ. Nous sommes seulement dans les airs de la chaleur de dire que nous sommes des chrétiens. Tout est d'accord. Nous irons au ciel. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais comment vous si vous observez, vous regardez. Oui, est comme Janja. Celui-ci est risé. Mais vous savez, il entre là sournoisement. Alors que il est ma situation, il est. Cette situation-là, ça peut être maintenant une alerte que Dieu permet à mionner chez moi, benyem kuna fujo. Mungu pengine ana permettre du mwangarie, musema tu sikilizane tu. Au lieu tu vaki tu baka kukokotana, tu fa nini? Tu sikilizane. Peut-être cette maladie là qui est arrivée, c'est Dieu qui veut vous dire que à travers ce qui vous arrive, que vous puissiez peut-être à cause de la guérison de l'enfant. À cause de la bénédiction de votre maison, réconciliez-vous. Autant parfois Bibi a dit chouchou. Vous verrez que peut-être la femme s'humilie. Il veut demander pardon. En appelant Kulomba Buluma. Quitte là, quitte. Pardon. Buluma. C'est de cette manière que nous vivons. Et même dans l'église. N'attends mon canisa. Tel qu'on est là. Pas qu'avec ce que vous venez là pas. Dans l'église. Moi, quand tu m'ouvres, moi je suis pasteur. Mais nous, pastori. Vous verrez que l'autre, ainsi de suite. Je vous parle en tant que pasteur. Nous, les missionnaires, ça me chungaji. Vous verrez qu'il y a un problème peut-être chez les frères, mais ça se trouve parmi beaucoup de gens. Et vous allez voir Amutaona. Si réellement votre berger c'est un ange, kama akika mchungaji wenu ni malaika, une sentinelle qui veille, ule mulinzi yako na kesha, vous allez voir que Dieu va les saisir. Utaona kusema Mungu atamtumikisha. Dieu va les saisir. Mungu atamtumikisha. Vous pouvez voir peut-être une prédication moi que ça va ya makari, makari. Mais peut-être sont des prédications là en train de gronder. Quand les gens ne comprennent pas. Bile bantu baelewe. Quand les gens ne comprennent pas. Wakati bantu baelewe. Ils vont même attrister le Saint-Esprit. Batanza hata kuzunisha Roho Mtakatifu. Voyez ce qui s'est passé dimanche. Mwone le mambo lipitikanika mujuma. Moi j'ai dit on arrête, non? Mimi nasema tushimamisha na ville. N'est-ce pas? Ana ville. Mimi na shutuka 13h. Moi je m'étais étonné qu'il est déjà 13h. Je suis monté. Mimi na panda ku mimbari. C'est pour qu'on arrête. Il kwa ni njoo tushitukate tushimamishe. Mais lakini na njoo vile bintu bine kalaka. C'est comme ça que les choses sont. Mais lakini, le Dieu m'emporte. Mungu ananibeba. Le Saint-Esprit m'apporte. Et quand vous essayez de voir, Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de familles ont été délivrées. Beaucoup de enfants ont été bénis. Beaucoup de choses ont été changées. Dieu n'est pas dans notre temps. Dieu est dans sa parole.
Votre temps, c'est votre temps. Wakati yako, ni wakati yako. Mais Dieu lui dit, lakini yeye Mungu anasema, chaque chose a son. Kila kintu kiguna wakati yake. Mais maintenant, qui connaît le temps de Dieu pour te guérir? Sasa, nani anajua wakati ya Mungu njoo kukutunza? Pendant qu'on est en train de prêcher. Wakati tu tunahubiri hapa. Qui connaît le temps de Dieu pour te délivrer? Nani anajua wakati ya Mungu anapaswa kufungula? Voilà. Tout ce qui arrive là, ça peut être une alerte. Vous allez voir que les gens sont indifférents. Et ils donnent l'opportunité. C'est un canal par lequel le diable entre. Parce que Dieu, il y a un combat. Et c'est un combat spirituel. Permanent. Chaque seconde. Chaque seconde kila de ta vie, ya maisha yako, le combat est là entre la postérité ya uzao, du serpent nyoka, et la postérité de la femme. Uzao ya mwanamke. La postérité de la femme, uzao ya mwanamke, elle n'a pas de force. Aina na nguvu. Est-ce que vous comprenez? Pour vaincre Satan, ya kushinda shetani. C'est pourquoi Dieu lui-même doit lui venir en aide. Et pour que réellement tu puisses jouir upate kufurahikiwa de l'impact de Dieu, matokeo ya Mungu, sois obéissant, sois mutifu, crains Dieu, offre ses commandements, utumikie maombi yake. Si vous voyez quelqu'un qui s'entête à la parole de la vérité, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. On te conseille, tu ne comprends pas. Il n'y a rien à espérer. Ainsi, mes frères et sœurs, la malédiction, je vais arrêter. Je vais donner un peu une définition. Malédiction et puis postérité. Allez chercher la postérité. La postérité, c'est quoi? Mwende mutafute uzao ni nini? Quand on dit postérité. Wakati wanasema uzao. Qu'est-ce qu'une postérité? Uzao ni nini? La postérité. Uzao. C'est l'ensemble de, l'ensemble des descendants. Ni ile nafanya ba ile nafanya uzao yote mujima. Au ile natunga uzao yote. L'ensemble des descendants spirituels. Ah ile nafanya muungano ya wale wote walizaliwa kutoka kizazi kimoya. L'ensemble des descendants spirituels d'une personne. Inatunga kizazi kya bantu wala litokea kwa mtu moyo. Les gens meurent, mais les esprits, n'est-ce pas? L'ensemble, l'ensemble des descendants spirituels d'une personne. Moi, je n'ai jamais vu Adam avec les yeux. Je n'ai jamais vu. Mais lakini, nous sommes condamnés par représentation. Tunahukumiwa kupitia kionesho. Et Branham a prêché ce sermon-là. Na Branham arubiri itungo. La condamnation par représentation. Hukumu kupitia kionesho. Donc, c'est-à-dire, tel que je suis, nikusema paka hivi niko hapa, j'ai été représenté par Adam. Nikusema Adam ndio alinionekanishaka au alinitambulishaka. Et moi, Namie, comme j'ai été représenté par Adam, savile Adam étant de sa lignée, donc je vis aussi les conséquences de ce qu'il était en train de vivre. Maintenant, la malédiction, sasa laana, c'est quoi? Laana ni nini? La malédiction, c'est quoi? Laana ni nini? C'est un moyen. Ni namna moya. Que le diable utilise. Ile shetani unatumia, unatumikisha. Pour atteindre
atteindre son objectif. Même la maladie, c'est une malédiction. Même la maladie, c'est une malédiction. Et en tant que des hommes, des êtres humains nés de la femme, nos vies sont sans cesse agitées. Sans repos. Sans repos. Problème sur problème. Mambo yula mambo ingine. Mais lakini, Dieu dans son amour. Mungu mapendo yake. Amen. Amina. Dieu dans son amour. Mungu mapendo yake. Par rapport à cet état. Kulingana na hii hali. Tellement naangalia tunahangaika sana. La race humaine s'est battue. Kizazi ya kimuntu inakombana sana. Le diable s'est dit. Shetani anasema. Mr. Cha. Je ne laisserai pas. Ni paka Abraham anazalika. Quand Abraham, seulement quand Abraham est né, anamwangarishisha. Il regarde, il observe. Anamwingisha mu mabintu. Il l'introduit dans des histoires. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous n'avez qu'elle wako? Muntu tu normal. Un homme normal. Qui fait marier sa femme. Anaenda kuowesha bibi yake. Et on lui donne même la dot. Na bana mpachata na mari. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Mungu ni Mungu wa mama yele, mama namu na kutenda mingi mingi. Le diable aussi, c'est stratège. Na ye shetani kuna mayele, kuna namu na kia kutenda tenda. Sans la parole de la vérité. Bila neno ya ukweli. Tu ne sauras pas. Autaweza weye. Tu ne sauras pas. Autaweza. Les stratégies du diable. Mayele ya shetani. Et si vous n'avez pas une véritable sentinelle, na kama mnana mulinzi wa bia kweli, vous serez conduit comme ça. Mutaongozewa hivi mubupofu. Parce que juu, il peut venir dans les herbes. Anawezi kuya kule kwa ushi kwa ushi. Non, non, mumayani. Anawezi kuya mayani. Muno watu mayani unateka fio fio fio. Mwaye selma les herbes en train de bouger. Mais amuyo kile kiko chini. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouve là en bas. On ne veut pas parler de ça. Atupende kusemezea hii. Ainsi mes frères et sœurs. Hivi bandugu yangu na madada yangu. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Est-ce que c'est clair? Mambo kuwazi. Est-ce que c'est clair? Biku wazi. Dieu par rapport à notre combat, il n'est pas resté indifférent. Mungu kufatana na bukombi wetu, ashukubakiwa washipa kushituka. C'est sa demeure. Hii inabaki yako paka hivi. Et c'est permanent. Et la malédiction, na laana, c'est un moyen que le diable utilise pour atteindre son objectif. Tu apate kifukuzio kyake. C'est quoi, quand vous lisez la Bible, jo kwa maana wakati msoma Biblia, donc Dieu qui connaît, ni kusema Mungu la najua. Vous allez voir que pour ses enfants, il leur prévient. Eko na tangulia kubakalamusha. Il y a toujours ce que Dieu nous demande de faire. Il y a toujours ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Et Dieu sait que ce que je vous empêche de faire là, si vous le faites, vous donnez l'opportunité au diable. Amen. Amina. Mais vous allez voir, parfois nous prêchons de manière à faire des obligations. Là, on aura des hypocrites. Il faut que Dieu puisse te convaincre. Et nous vous prêchons de manière que vous puissiez comprendre vous-même. Afin de fuir le péché. Parce que quand vous vivez dans le péché, vous demeurez dans les discords. Vous donnez l'opportunité au diable. La malédiction, c'est un moyen que le diable utilise pour atteindre ses objectifs. Mais l'homme n'a pas été maudit. Le sol a été maudit à cause de